Bonne année 2018. On jase avec Pélo vous revient et chez Vivre à fond pour le reste de la saison, pour les 21 prochaines émissions. On est dans un super décor au deuxième étage de Vivre à fond. On enregistre tous les mercredis après-midi, Carrefour Santé Globale. On a une belle brochette de vétérans chroniqueurs comme la prochaine et de belles recrues comme la seconde sur le plateau aujourd'hui. Et tout ça en collaboration avec Yves Leboloc et son équipe chez Vivre à fond au Carrefour Santé Globale. Et en même temps, s'ajoute aujourd'hui notre ami Daniel et également Patrick de la fabrique de café. Puis vous avez les beignes aux patates, vous avez les bagels et vous avez le fameux sac qui se vend comme des petits pains chauds pour accompagner avec les trempettes. On a ça pour nos invités et nos chroniqueurs. Michel Morin, bonjour. Bonjour, Gilles. Elle va bien? Oui, merci. Vous? Juste pour te préparer. Ben oui. Merci. Vous savez que je mange sans gluten, hein? Oui, mais ça sent tellement bon, ça sent bon sur le plateau. Vraiment, vraiment. Oui. On parle de quoi cette nouvelle année de résolution? Bien, c'est ça. C'est que, vous savez, tout le monde prend des résolutions en début d'année. Puis bien là, j'ai le goût de vous parler d'une technique qui nous aide à mettre en place nos résolutions. Et c'est quoi? Bien, en fait, c'est la visualisation. On visualise l'avenir? Oui, bien, je vais tout vous expliquer ça. Là. Ah, puis, j'écoute avec puis plaisir. Puis la visualisation, c'est important de faire ça en termes positifs. L'inconscient ne comprend pas la négation. Si je vous dis, Gilles, ne voyez pas un éléphant rose. Bien, je ne le verrai pas. Bien, Gilles, vous le voyez passer devant vos yeux, l'éléphant rose. Mais je voulais voir sa mimique, est tellement drôle. Et puis, c'est la première d'année, faites-vous-en pas. Oui, c'est ça, je suis comme un peu plus nerveuse qu'à l'habitude. Bref, on va s'en sortir. Ah, bien oui. Bien oui, je le vois passer, là. Oui, c'est ça, je vous l'avais dit. C'est ça, l'inconscient qu'on ne comprend pas la négation. Mais il a pris du temps. À mon âge, il prend du temps. C'est ça. Moi, je suis plus habitué à l'hypnonaissance qu'à la visualisation. Ben oui, c'est ça, mais c'est correct, vous allez voir. Ça mais est-ce bien. Que tu l'utilises avec tes clients? Ben oui, c'est utilisé dans les sports. Vous savez, tous les sportifs. Moi, jadis, il y a longtemps, j'étais une plongeuse de haut niveau quand même. Puis j'utilisais la visualisation. Mais oui, effectivement, avec mes clientes en hypnonaissance, au courant, je leur fais visualiser quelque chose qui influence leur mécanisme et qui fait qu'ils produisent de la salive. Donc, je veux leur montrer que par un simple exercice de visualisation qui dure 2 minutes, on peut influencer le fonctionnement de notre corps. Donc, après, on transpose ça à l'accouchement. Donc, ils peuvent s'en servir pour faciliter le travail, ouvrir le col plus rapidement, gérer la douleur pendant le travail, bref. Les étendues c'est sont larges. C'est des bons, ça, des bons points. Ben oui, pour sûr. Aider à que le bébé vienne plus vite, ben oui, moins sûr. De souffrance pour la ben maman. Oui, ben oui, plus moins fatigué après. Oui, c'est vraiment… On va en parler avec Valérie Guilmette. Hein? Ben oui, c'est la plus ça. Récente sur le plateau d'accoucher. Oui, c'est ça. En simple, ça définit bien des choses, ça aussi. Bien, en fait, là, une façon simple là, de définir la visualisation, tu sais, on peut se dire, oh, je vais visualiser quelque chose, puis juste le voir, tu sais, comme l'éléphant rose, là, vous l'avez vu passer. Si tu m'avais dit Paturity, non, ça aimait mieux Gallagher. Non, on ne parle pas de ça, on ne rentre pas là-dedans. Ah, j'ai trop comment de matériel. Comment il s'appelle encore? Gallagher. OK, Brandon parfait. Gallagher. Okay. Il va aller au match des étoiles, Michel Morin me l'a dit. Bon, vas-y. Bref. Il y a différents stades dans la visualisation. On peut juste voir les choses, mais on peut aussi faire comme si la chose était déjà arrivée. T'es sûr? Dans notre vie et être dans la gratitude en lien avec ça. Oh. Voir, et pas juste voir, ressentir, entendre que la chose est déjà arrivée. On fait quoi? Les exemples? En as-tu? Oui, je vais vous donner des super beaux exemples. Okay. Le premier, c'est un exemple qui ne me touche pas personnellement, mais que je trouve particulièrement touchant par contre. C'est Viktor Frankl. Ça, c'est un Autrichien qui est né en 1905. C'était un psychiatre. Déjà là, moi, ça m'intéresse. OK. Parce que c'est un psychiatre, ça m'intéresse. Bref, c'est un psychiatre juif qui, lui, a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh! Et, à un moment donné, il était dans un champ plein hiver, peu habillé, pas de bas dans ses souliers. Malade, en pneumonie, il était à terre, tombé, et son gardien, je trouve ça vraiment intense, son gardien lui a dit, bien, si tu ne te relèves pas, je te bats jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça. Et là, il est à terre, imaginez-vous, là, on est en 1940-quelques, il est à terre dans un champ, gelé comme un croton, malade, il tousse, il peine à se relever, et il y a un éclair de génie, et il se visualise sur une scène à Vienne, en train de donner une conférence. Je vous le dis, puis j'ai des frissons. Il se visualise en train de donner une conférence. Il voit son public, il entend les rires, il voit les visages. Et ça lui a donné l'énergie suffisante pour se relever, continuer à marcher et à être libéré et à la sortir. Fin de la guerre et en sortir. Et savez-vous quoi? Il est mort en 1997. Ouch! À 92 ans. Bien, chapeau! Oui. Puis un autre exemple que je vais vous donner, bien, c'est Valérie puis moi.
OK. Vous savez, Valérie devait être mon invitée de novembre. Finalement, bon, on a reporté en décembre. Mais quand on s'est téléphoné, en fait, pour prévoir, là, pour planifier. C'est ça, je cherchais. Pour planifier. Gallagher, oui. OK. Pour planifier notre entretien, on s'est téléphoné. Puis là, on était au téléphone, puis on avait du fun, puis on jasait. Question? Oui. Ça doit durer longtemps, le téléphone? Ça a duré longtemps, okay. Le téléphone. C'est toujours okay. Long quand j'étais avec Valérie, mais on a vraiment beaucoup de plaisir. Mais je te comprends. Donc, ben oui. Donc, on est dans le plaisir, on jase au téléphone, on a du fun. Puis, tu sais, moi, elle m'avait interviewée en 2014. Fait que là, on riait de s'imaginer que là, c'est moi qui allais l'interviewer. Puis, un moment donné, elle me dit, Gilles, il fait quoi dans le décor, tu sais? Je dis, oh oui, c'est vrai, il va falloir penser à donner une question à Gilles. Il va se cacher. Puis là, ça, finalement, on a ri de ça. Oui. Puis, c'était bien comique. Une semaine après... Hey, je viens de visualiser quelque chose. Ah oui? Quand j'ai fait ça. Ah oui? Bobino et Bobinette. Vous allez rire, je vais vous conter quelque chose. Alors, oui, il reste deux minutes. Oh mon Dieu, OK. Donc, toujours est-il que vous oui. Savez la suite. Une semaine après, je suis venue, j'avais plus d'invités, donc... Qui a été interviewé? Qui a été interviewé? Vous. Est-ce que vous m'avez proposé la semaine d'après, c'est de m'offrir un micro une fois par mois? Donc... On était dans le plaisir, on visualisait ça, que moi, je l'interviewais. Qui va être ta première invitée à la fin du mois? Véronique Lettre. Oh, ben oui, c'est vrai. Oui, oui, celle qui ouvre une clinique. Oui, en fin de semaine, le 12, d'ailleurs. Ben oui, vendredi. C'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oh. Fait que ça va être ma première invitée, Valérie. Véronique. OK. Mais elle est là. Brandon, c'est quand? Je sais pas. Hey, on fait quoi en 60 secondes? Bien, en fait... Une fois là, qu'on a fait de la visualisation, qu'on a fait comme si, qu'on l'a vraiment senti, qu'on était dans la gratitude, qu'on a remercié pour ça qui est déjà arrivé, à un moment donné, il faut lâcher prise. Tu sais, quand on commande notre lunch au restaurant, à un moment donné, là, on commande, on sait que ça va arriver. On est dans la certitude, on est dans la foi que notre repas va arriver. Oui. À un moment donné, il faut lâcher prise sur, tu sais, pas tout le temps dire à tous les jours, je visualise ci, je visualise ça et je le sens. À un moment donné, il faut dire, OK, gars, ça va arriver. C'est déjà arrivé, en fait. Une bonne comédienne, là, en plus. C'est un petit peu le drama queen. C'est comme à midi, tu demandes un beau muffin, oui. Date et poire, puis on t'amène un beau muffin betterave. Ah, quand même. Mais il t'a pas pire. Mais ça devait être bon quand même. Ah, il t'a bon pareil. Oui. Puis rappelez-vous, Gilles, oui. Qu'est-ce qui est important? Bien, c'est de passer à l'action. Tu sais, une résolution, c'est beau de la visualiser, de la sentir comme si elle était déjà arrivée, de reconnaître. Mais tu sais, si on est là à attendre puis à rien faire... Mais ça n'arrivera pas. Il faut passer, à l'action. C'est quoi le plus petit pas qu'on peut faire pour s'en aller dans cette direction-là? On peut-tu passer à l'action? Passons à l'action. Valérie Guillemette s'en vient après toi. Parfait. Merci beaucoup. Bonne année. Une petite pause. Bonne année. On se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas les petits beignes aux patates. À tout de suite après la pause. Dans le tour sur le plateau, chez Vivre à fond, Yves Le Bolloc va être un peu plus tard dans l'émission et parler de la traversée hivernale. C'est le 24 février. Bon plaisir de la revoir au petit écran. On en est très heureux. C'est la complice de l'autre. Ben oui. Valérie Guillemette, bonjour. Bonjour, M. Pelleau. Bonne année 2018. Oui. Santé. À vous aussi. Et le reste. Va suivre. Et voilà. Voilà, c'est bien dit. Première chronique de la saison. Laisser un enfant être un enfant en public. J'aime ça, moi. Oui. Ça vous oui, parle? Oui, mais mon petit-fils, c'est ce que je fais. Il crie, il chiale, il se promène. Je me fous, il s'amuse, c'est ça qui est important. Mais surtout, il est en santé. Bon, bien, vous venez de définir ma chronique, je vais y aller. Bonjour. Ah bon? Ben, c'est parce qu'on enregistre mercredi le 10, puis mon petit Malécoum a 7 ans aujourd'hui, en passant. Ah, il est à bonne Cuba fête. En ce moment, le chanceux. Chanceux, certain. Avec maman. Alors, laisser un enfant être un enfant. Être un enfant. J'aime ça. En public. Pourquoi en public? Parce que je pense que ça commence bien l'année pour justement déjeuner les parents et les éducateurs. Puis là, je vais vous commencer ça en vous disant, parce que vous devez vous le demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait, là, je vais commencer par la définition même d'un enfant. Puis d'un côté ludique, un enfant, vous le savez, c'est spontané, ça a de l'énergie, ça veut en dépenser. C'est très dans son imagination, dans son monde. Alors, un enfant, c'est plein de joie de vivre. On peut-tu laisser un enfant être un enfant? D'un côté scientifique, un enfant, son cerveau n'est pas encore développé à maturité comme celle d'un adulte. Alors, les adultes, s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'un enfant peut raisonner comme un adulte. C'est vraiment pas le cas. Et c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas. Et je vais vous en parler tout au long de la saison, en fait, avec
pour une enfance heureuse avec le docteur Catherine Guéguen. Elle en parle du développement du cerveau là-dedans. Je vous le dis, c'est une mine d'or, ce livre-là. Tout parent, tout éducateur doit avoir ce livre-là en main parce que c'est les dernières découvertes sur le cerveau des enfants. Alors, on en apprend beaucoup. Moi, je vous le dis, j'ai dit que mon enfant, par rapport à ça, on se le procure où? Déjà, on nous pose la question. Je vous dirais, moi, je l'ai pris chez Archambault. OK. Mais je vous dirais qu'il est disponible partout. Peut-être juste appeler avant de se rendre. Toute bonne librairie. Pour être sûr qu'on commande. Voilà. OK. Alors, indispensable dans l'éducation d'un enfant. Et là, je vais vous dire un exemple concret parce que c'est tellement le fun, les exemples. On dirait que ça nous fait visualiser, comme le disait Michel, parlons de visualisation. Alors, je vous nomme une scène, puis je suis certaine que, M. Pelleau, vous avez déjà vécu ça. On est dans un magasin, dans un centre d'achat, par exemple, une boutique de bottes, de chaussures. Et là, les parents essayent des bottes, des chaussures, et l'enfant se met à courir. Puis il grimpe sur les petits bancs, puis il est dans son monde, puis il se fait du fun, puis il court un peu partout. Mes deux filles ont fait ça. Mais c'est la vie. On appelle ça « c'est la vie ». Et là, tout d'un coup, il y a un parent qui est plus impatient, puis il est gêné que son enfant bouge autant. Fait qu'il l'assoit, que le petit bras sec un peu, puis... L'enfant se met à pleurer, puis là, on perd un peu le contrôle. Et là, l'enfant est triste, il ne sait pas vraiment trop où s'y mettre après ça, parce que c'est son rôle d'être un enfant, et là, lui, on lui enlève son rôle. Et là, le parent, il est comme vraiment gêné. C'est ça le terme. Je pense que c'est une question d'éducation. Je pense que, écoutez, juste ma mère, là, au-dessus de moi, là, sa génération à elle, là, c'était super sévère dans les écoles. Il fallait que l'enfant reste assis. Ma mère aussi. Vous aussi, hein? Mm-hmm. Puis ça fait pas si longtemps de ça. Là. C'est quelques années à peine. Alors moi, là, ce que je veux, M. Pelleau, c'est remettre les émotions à la mode. Comprenez-vous? Il est temps que les éducateurs et les parents comprennent que avoir des émotions, c'est la base de la vie. Et là, je ne vous dis pas de laisser l'enfant faire n'importe quoi, de le laisser briser des choses et embarrasser des gens. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste d'embarquer dans le monde de l'enfant, d'embarquer dans son imaginaire, juste pour le garder plus près de nous, mais avec du bonheur. Hey, t'es-tu en train de jouer à Pat Patrouille? T'es-tu déguisé en... C'est qu'est-ce vrai. Que tu fais présentement? Puis l'employé du magasin... Elle devrait être habituée à savoir qu'un enfant ne restera pas assis comme ça. Il va jouer sur le petit banc. Elle peut jouer avec aussi. Exactement. Ça change quoi? C'est à l'adulte à apporter le sourire. Tout à fait. Ben oui. Ce que vous apportez présentement, c'est exactement ce que je veux dire. Parce que c'est à l'adulte à embarquer avec l'enfant. Mm-hmm. Et là, tu sais, vous pouvez dire à votre petit-fils, hey, « Veux-tu, toi, tu vas jouer au vendeur. Tu vas t'occuper de la boîte à papy. » Ah oui. Puis là... Hein? C'est toi qui vas m'aider à mettre mes chaussures. L'enfant, il va être puis il va super, le faire. Il va aimer ça. Puis il va sourire. Là, les gens me disent, oui, mais comment ça se fait qu'elle, elle a le tour, puis parce que je vous le dis, là, si vous me croisez chez Costco avec mon petit lit, là, nous, on se fait du fun. Là. Puis les gens nous regardent, mais pour les bonnes raisons. Parce que là, ils sont comme, aïe, ils se font du fun. Oui, mon enfant déborde de joie. Fait que moi, je continue et je tente de garder ça à flot. Et on s'en va, puis on joue aux espèces de comme si, dans le fond, le panier n'avançait plus, il manque de frein. Puis là, on joue au camion qui manque de frein. Puis Élie est crampé, il trouve ça drôle. Alors, il y a moyen de mettre de la joie. Et le temps passe plus vite pour lui. Mais le temps s'envole comme ça. Et il va mieux dormir le soir parce qu'il va avoir tout vidé les énergies de la journée. Et savez-vous pourquoi il va mieux dormir? Parce qu'il va s'être senti en sécurité. Et heureux aussi. Il va sentir que l'attachement avec son parent, il est sécuritaire, qu'il peut être lui-même, qu'il peut dire qu'est-ce qu'il pense, qu'il peut faire des petites folies, qu'il peut rire. Alors, c'est ça le principe de base au niveau du cerveau et de l'attachement. C'est vraiment de faire sentir à l'enfant qu'il peut être un enfant. Comprenez-vous? Ah, il nous reste 2 minutes et demie. Oui, pour vrai? Ben oui, ça va vite. Ben, je l'écoute, ça va tellement bien. Tu sais, l'interviewée, intervieweuse. Là, ce que je veux vous dire aussi au niveau de ça, c'est que si on veut briser un peu les apparences à ce niveau-là, puis enlever dans la tête des éducateurs que... Parce que, comprenez-vous que les parents, les éducateurs, là, quand l'enfant crie trop et s'éloigne un peu trop, ils pensent qu'ils perdent le contrôle sur l'enfant. Je l'ai parlé tout à l'heure du contrôle. C'est pas vrai. Ben, non. Il faut enlever ça de la tête des gens. Il faut enlever le mot contrôle, en fait, dans l'éducation. Parce que lorsque vous développez une communication de qualité avec votre enfant, le lien est tellement fort que l'enfant, ce n'est plus le contrôle que vous avez sur lui. C'est tout simplement une communication d'égal à égal et l'enfant se sent totalement lui-même. Et je vous le dis, c'est une question d'avenir pour l'estime de soi. C'est super important. Puis, vont mieux vieillir et vont être plus en contrôle. Il va être en contrôle, en fait, puis le mot, même si je veux l'enlever, vous le ramenez, mais il va être en contrôle, il va se maîtriser dans son énergie parce qu'il va savoir qu'il est accepté comme il est. Puis des exemples, on pourrait en donner plein. J'ai déjà vu un petit garçon déborder un peu chez l'optométriste, mais il prenait soin de sa petite sœur. C'était tellement beau à voir. Et là, le papa n'était pas très content parce qu'il trouvait qu'il bougeait trop, mais je me suis approchée, comprenez-vous, moi, je ne suis pas gênée dans la vie. Puis j'ai félicité le petit garçon de prendre soin de sa petite sœur. Il faut y aller dans le compliment avec un enfant. Il faut toujours faire sentir un enfant
enfant, qu'il est compétent. Fait que j'ai calmé le papa en allant m'occuper un peu du petit garçon, puis je l'ai remercié d'être ce qu'il est avec sa petite sœur. Le papa, il m'a regardé comme ça en voulant dire « Oh, de quoi qu'elle se mêle, mais elle a l'air gentille. » Tu sais qu'il y en a beaucoup trop qui le font avec leurs animaux de compagnie plutôt que leur enfant. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais c'est la même chose. C'est un être vivant. C'est très important. En 60 secondes, il arrive quoi de Valérie? Elle prépare quelque chose? On peut la suivre à quelque part? Bien là, est-ce que vous sentez qu'est-ce que je suis en train de préparer? Oui, madame. Là, je peux enflammer sur le sujet parce que j'adore ça, l'éducation. Est-ce que je suis en train de préparer, en fait, ces deux concepts qui vont totalement avec aujourd'hui? Dans le fond, je lance avec vous en primeur. C'est que je lance un projet qui s'appelle « Être moi ». Qui touche les adolescents et les adultes. Et je lance un projet qui s'appelle Être un enfant pour aider les parents à les guider justement pour avoir une meilleure communication avec l'enfant, pour que tout le monde soit apaisé puis avoir une famille heureuse. Oh, puis on peut te suivre sur Internet, sur Facebook. C'est bientôt. Ça va bientôt apparaître sur Facebook. Mais ensuite, on va vous le dire à l'émission. Exactement. À un de ces prochains week-ends. Conférences, ateliers, on va beaucoup s'amuser. Merci. Merci à vous. À bientôt. Vous avez comme Pierre et Marco trop mangé pendant le temps des fêtes? Marilyn va vous aider. Action Santé au retour. De retour à la boutique Vivre à fond au Carrefour Santé Globale. On va parler de l'après-temps des fêtes, mais quand on a ce que l'on a de la fabrique de bagels de notre ami Daniel Crevé, c'est ici, à l'autre bout de la 115, quand vous arrivez pour venir dans Magog et passer à la boutique et passer au Carrefour Santé Globale et surtout les fameux bagels et ce que l'on appelle les retailles de bagels qui est vraiment délicieux. Parlez-en à Marco avec la petite trempette au saumon. Mais là, il faut arrêter ça tout d'un coup, là. Puis il faut se préparer à se remettre en shape au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on en dit? Bonjour, Marilyn Gilles. Bonjour, Gilles. Bonne année. Merci, toi aussi. Hey, on se remet en forme dans le confort de notre foyer. Ça, j'aime ça. Oui, pourquoi pas? Comment qu'on fait? Pourquoi pas? Et vrai, oui, pourquoi pas chez nous? Ben oui, mais je vous dirais que c'est pas nécessaire d'arrêter. On en parlait juste avant. L'important, c'est l'équilibre. Le dosage. On peut en prendre, mais donnez-en un petit peu plus à la maison. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que ça, c'est très bon. J'en ai pris, d'ailleurs. Tu fais pas comme Priscilla, 4. T'en manges non, un ou un. Deux, t'es correct. Un, quand même. On va pas trop loin avec ça. Donc, on m'en fait chienner, dans l'eau. Oui. En 2018, il y a beaucoup de gens qui veulent se remettre en forme, qui veulent perdre du poids ou bien tout simplement plus s'activer parce que des fois, pendant le temps des fêtes, on mange. Après, on a le goût de bouger. Donc, aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce qui peut être intéressant d'avoir à la maison à peu de frais pour avoir un espace motivant pour s'entraîner de la maison. Et tu as apporté ça sur le plateau? J'en ai emmené le plus possible. Ben il manque quelques petits trucs, mais quand même, j'en ai emmené plusieurs. Oui, je vais tout expliquer à quoi ça sert tantôt. Je te laisse aller. Une des plus grandes contraintes des gens, c'est que justement, ils arrivent du travail, sont fatigués, ils n'ont plus envie de sortir. Donc, c'est intéressant de s'installer un petit espace à la maison parce que comme ça, on n'a pas besoin de sortir, c'est accessible, puis vous n'êtes pas obligé d'en faire longtemps pour que ce soit efficace. On l'a déjà vu avec l'entraînement par intervalle, qui est un type d'entraînement, 20 à 30 minutes, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je vais vous démontrer que ça ne prend pas beaucoup de matériel et ça ne coûte pas nécessairement trop cher si vous ne vous lancez pas dans les gros appareils qui, des fois, vont prendre juste la poussière. Oui, puis beaucoup d'espace dans la maison. Oui, ça peut prendre beaucoup d'espace, effectivement. Et ça m'emmène à dire que non, c'est pas vrai que ça va prendre beaucoup d'espace parce que c'est toutes des choses qui peuvent se ranger quand même facilement. Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop gros. Et on peut tasser une table à café, on peut tasser même la table de la cuisine au besoin. L'important, c'est que ça soit aéré, au moins un petit peu, que vous ayez quand même de la sécurité au niveau du plancher. Il faut que ça soit quand même solide si vous décidez de sauter. Donc, ça serait peut-être plus adéquat dans un garage ou au sous-sol si jamais vous faites des sauts. Mais sinon, ça prend pas beaucoup d'espace. Ça peut être une chambre, ça peut être un sous-sol, un garage, comme je disais, ou dans la cuisine si vous n'avez pas à sautiller beaucoup. Donc, espace aéré. Oui. Bouteille d'eau. C'est vrai. Vêtements qui respirent bien parce que vous allez avoir chaud, dépendamment de ce que vous décidez de faire. Et un petit coin dans la maison où c'est sécuritaire, où vous pouvez vous activer adéquatement. Les chaussures, toujours important, on est chez Vivre à fond. Il y en a quand même des belles paires. Donc, selon vos pieds, qu'est-ce que vous avez besoin, si vous avez besoin d'une semelle un petit peu plus élevée. Donc, on fait attention de bien chausser selon l'activité qu'on va pratiquer à la maison. Ensuite, on se pose la question, c'est quoi que je veux faire? C'est quoi mon objectif? Est-ce que je suis stressée? J'ai envie de faire plus de yoga, relaxation? Alors là, bien, on va se tourner vers d'autres types de matériel que je vais vous parler tantôt. Est-ce que vous voulez faire du cardiovasculaire? Vous voulez perdre du poids? Bien, là, ça va peut-être prendre un petit peu plus de matériel qui va stimuler votre cardiovasculaire. Ou est-ce qu'on y va vers du musculaire? Avec des haltères, des kettlebells, des ballons un petit peu plus lourds. Il y aller à son rythme aussi, pas trop vite. Là. C'est ça.
Donc, progressivement, si on en a déjà parlé dans d'autres capsules, mais on commence toujours en douceur et on augmente l'intensité pour ne pas se blesser au niveau de notre dos, par exemple. Donc, évidemment, selon l'objectif que vous allez choisir, bien, on va se diriger vers un type de matériel adéquat. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire, au lieu de vous jeter dans des dépenses qui pourraient être inutiles, demandez à un professionnel. Appelez Marilyn chez Action Santé. Entre autres. Puis, ou allez la rencontrer, puis tu vas leur démontrer ce que l'on peut acheter qu'on a sur le plateau. Exactement, parce que selon votre objectif, bien, vous allez avoir à travailler différentes composantes de votre condition physique. Donc, soyez ciblés des objectifs précis pour être capable de travailler efficacement et pas dans le beurre, comme on dit. Voyez pas trop grand. Des fois, ça sert à rien d'acheter des appareils qui coûtent des centaines, des milliers de dollars pour ce que vous avez comme objectif aussi. Faites attention, on ne se jette pas dans les dépenses parce que c'est encore plus décourageant quand on commence un objectif puis que finalement, bien, on l'a acheté puis ça ne sert plus à rien. Puis là, comme je disais tantôt, ça prend la poussière et on fait juste le regarder. Ce n'est pas toujours très beau non plus à regarder. Parlons justement de ce que tu as sur le plateau. Oui, alors on commence. Donc, si vous ne savez pas trop, comme je disais, qu'est-ce que vous voulez travailler, moi aujourd'hui, je vais faire comme si on voulait tout travailler. Fait comme ça, je vais vous identifier quel matériel sert à quoi. Donc, on va commencer par tout ce qui est cardio parce que j'en ai pas beaucoup. Parce que cardiovasculaire, là, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Vous avez des marches à la maison. Si vous avez un bungalow avec des marches, vous pouvez monter, descendre les marches. Déjà, ça fait du cardiovasculaire. Vous pouvez faire beaucoup de mouvements sur place. J'en avais déjà démontré. Des genoux levés, des talons fesses, des esquives où on descend, remonte. Donc, vous pouvez faire une panoplie d'exercices cardiovasculaires. Inspirez-vous par des vidéos. Mes vidéos sur Action Santé peuvent être intéressantes sur Facebook. Vous avez des vidéos de Zumba, d'intervalle. Donc, vous avez une panoplie d'exercices que vous pouvez faire cardiovasculaires sans avoir du matériel. www.actionsanté.ca. Et voilà. Oui. Corde à sauter. Oui. Des cônes. Un step, ça peut être intéressant de s'acheter un... Vous savez c'est quoi un step, là? Ça ressemble à une petite marche, donc vous pouvez acheter ça. C'est pas très dispendieux, 30-40 $. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'inspiration, ça peut être utile de l'utiliser. Sinon, bien, les incontournables. Évidemment, les fameuses haltères, ça peut être intéressant. J'ai juste emmené 3 livres parce que traîner déjà beaucoup de livres, là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir 5, 10, 15 pour augmenter graduellement votre charge, comme on a parlé tantôt. C'est environ 1 $ la livre. Fait que c'est pas très dispendieux quand même. Ensuite, vous avez toujours dans le musculaire les ballons. Avec du poids dedans. Donc, des fois, pour faire des épaules, donc on lance. Ouais. Mm-hmm. Vous avez ensuite un petit ballon, un Pilates ball, qu'on appelle en anglais, où on peut travailler avec la charge de notre corps. Donc là, par exemple, je travaille mes pectoraux pour travailler les épaules. Donc, ça peut être bien utile, pas très lourd et intéressant. Le kettlebell, qu'on a déjà vu. Un peu plus pesant. Un peu plus pesant. Celui-là, c'est un 20 livres qu'on peut utiliser pour différents exercices. Vous avez les élastiques, des classiques. Donc, vert, rouge et bleu qui augmentent en intensité. Donc, en muscu, là, vous avez vraiment beaucoup de choses. Balle de massage. Oui. Donc, si vous avez des tensions, ça serait plus pour du stretching. Ça peut être aussi pour de la force au niveau des mains. J'aime ça sur le plateau. Oui. Ça ici, c'est pour de l'équilibre. Oui. Donc, on pourrait se mettre un pied là-dessus. Travailler pour les stabilisateurs qui sont très importants. Les rouleaux pilates pour faire des massages avec les jambes, les bras. Ça peut être aussi très intéressant. Donc, il y en a une panoplie. C'est vraiment pas dispendieux. 10 $, 15 $, 5 $. Ça va à la livre à peu près, donc une trentaine de dollars pour un 20 à 30. Vous voulez en savoir plus, là? C'est ça. www.actionsanté.ca. Marilyn et toute son équipe, Action Santé, vont vous aider. Il y a beaucoup merci de cette première visite. Aussi. Ça fait plaisir. Ben oui, pourquoi pas? Oui. Puis on s'en parle bientôt. Tiens, toi, Priscilla, tu vas jouer dans mon équipe, t'es bonne. Elle l'a capté d'une seule main. Oh, la main. On fait une pause et au retour, Madame Priscilla Quirion, Miss Petit Pain aux Patates. De retour sur le plateau à la boutique Vivre à fond au Carrefour Santé Globale. Première de 21 pour 2018 pour hiver-printemps. On est très heureux d'être de retour après 2 semaines dans le temps des fêtes où elle a beaucoup chanté Noël, elle a beaucoup chanté le jour de l'an et elle a chanté une petite rengaine avant d'arriver sur le plateau. Bonjour Priscilla Quirion. Bonjour Pélo. Là, il faut que je te chicane. C'est quoi cette réputation-là de dingue que tu me donnes? Mais ils sont juste à côté de toi. Oui, moi j'en ai pas pris un. Un seul? Bon, j'en ai pris 2. Là, ça va être mon troisième. Mais avant de le manger, répète ce que tu as fait tantôt. Que j'ai fait tantôt? Bobinette. Ah, Billy Bon Baby Bonbon la bobinette. Eh bonne, hein? Eh oui, c'est pour le temps des fêtes. Eh oui. Ah, réveillons. Hey, chronique, oui, hein? On est là pour faire une chronique culturelle, c'est vrai. Quelle perte au cours de la semaine. Oui.
ma belle France Gall qui est décédée. Oui, c'est triste. Hein? On dirait que c'était depuis un an, on dirait, bien, même, je dirais, les deux dernières années, on a perdu des gros noms dans le domaine Johnny musical. Johnny aussi, avant les fêtes. Bien oui, bien oui. Puis il y en a d'autres aussi. C'est des gros noms, puis c'est des gens que, comment je pourrais dire, c'est des artistes auxquels les gens s'attachent, pas juste pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Tu sais, il y a des gens qui, vraiment, là, ils sont en deuil quand ils perdent des artistes. Dans les deux dernières années, on a eu des gros morceaux qui mais sont partis. Mais savais-tu que lorsqu'elle avait fait Poupée de cire, Poupée de son, oui, de Serge Gainsbourg, elle avait été la grande championne de l'Eurovision parmi les 23 pays d'Europe. Ah, je savais pas. Et son chum, oui, l'avait sacré là parce qu'elle était devenue plus populaire que lui à ce moment-là. Et oh, qui était hommes, son hein, chum Pélo? De l'époque? Oh, un des question. Plus grands chanteurs français, Claude François. Il était de même, Claude? Bien, ça a l'air que Claude était de même. Mais elle en a eu un meilleur par la suite, Michel Berger, Starmania, Luc Plamondon et Priscilla Quillayon. Non, moi, j'ai pas sorti avec elle, par contre. Mais non, mais je parle de Luc Plamondon. Oui, OK. Un beau parolier pour toi, voyons donc. Je suis très autonome, ces paroles, moi, Pélo. Tout ça pour dire, hein, on va se lancer tout de suite. Il y a le au Musée international d'art naïf de Magog. Oui, là, c'est on une se pose belle la place, question, ça. C'est où? C'est juste en face, diagonale du vieux clocher, maintenant. Ah oui. Hein? Donc, ça vaut la peine. Il y a deux belles expositions présentement. Il y a Langage sans frontières, puis il y a Envol avec ou sans ailes. Oh, et c'est, j'aime ça. C'est beau, c'est coloré, c'est une façon d'enlever, en fait, comment je pourrais dire, de communiquer, tu sais, le langage sans frontières. Mm-hmm. Oui. T'as une façon de communiquer, mais avec par le dessin. Fait que, Pélo, ça, c'est pour la projection. Je te l'avais dit, je le ferai. Hein? Je oui, je pas, sais qu'elle l'a fait. Là, je suis pognée avec ma bouchée. Le vieux clocher de Magog. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? On a en chanson les deux frères qui viennent avec leur spectacle La Route. Oh, ça promet, ça. Ouais, le 17 et 18 janvier. Puis il y a les grandes crues par la suite. Moi, je les aime. Bien, je sais. C'est un beau duo, ça. En humour, ils viennent le 20 janvier. Ils sont pas assez connus dans mon livre à moi. Je sais. Puis en fait, c'est des Marilyn Jonca et Eve Côté, c'est des filles de la relève à la base, mais qui sont à veille de plus se faire appeler par la relève là, parce que leur show est déjà sold out. Le 20 janvier, c'est complet. Mesdames, bon, pour celles qui étaient encore mademoiselles, Bobby s'amène. Ben oui. Le 27 moi, janvier? Bobby, oui, puis Bobby. Basini pour son nom. Ben oui, puis moi, je connais très bien une de ses choristes que j'aime beaucoup, qui est une amie à moi. Mm-hmm. Et là, j'essaie de me têter des billets parce que ça aussi, c'est à guichet fermé. Bernard et les journalistes de plateau pour On jase avec Pélo. S'il vous plaît, Bernard. Donc, je vais essayer de me faufiler. Sinon, il y a les Cowboys Fringants qui viennent aussi le 26 janvier. Ça aussi, c'est complet, mais c'est pas rien, les Cowboys Fringants quand même. Moi, je suis contente. Hey, de ils font savoir ça le comble partout. Partout, ils passent, c'est fou. Puis, tu sais, moi, j'étais dans leur début. Là. Nous, tu sais, les gens qui les ont suivis jeunes, c'est des gens de mon âge aussi. Puis je trouve ça beau parce que même rendu adulte, rendu près de la vingtaine ou en trentaine, puis tout ça, continue de suivre les Cowboys Fringants. Donc c'est vraiment touchant, je trouve, pour un groupe de voir qu'ils vieillissent avec leurs fans. Et il y a bien sûr qui s'amène dans les prochaines semaines le retour de la voix avec un petit gars de chez nous, de Saint-Denis-de-Brampton. Notre garou national. Ben oui, qui a été découvert au Liquor Store de Magog. Et voilà, c'est ça. Donc oui, je pense que ça s'annonce. Et moi, j'aime bien aussi de savoir que Lara Fabian va être là. Oui, la seule content. Femme la seule femme du plateau. Ces trois mâles-là. C'est incroyable. Non, mais je pense qu'on va avoir des belles surprises, des beaux artistes aussi. Différents, des styles complètement différents. Mais je pense que le fait d'avoir deux nouvelles personnes dans le groupe va faire du bien aussi. En même temps, Alex Nevsky a pris un beau confort, je trouve, il est rendu Est-ce que les gens à savent qu'Alex Nevsky vit dans la vie de tous les jours à Granby, en passant? Ah, c'est vrai. Mais je savais qu'il était plus en région, là, mais je ne savais pas où exactement. Il y a ça avec la pointe. Il faudrait bien l'amener chez nous. Éric Lapointe, on va l'amener. Là. D'après moi, il va avoir un chalet à quelque part. Éric, un chalet à Magog. Mais sinon aussi, pour ne pas oublier en chanson, on a Valère qui vient le 19 janvier. Valère et son univers, là, ça vaut la peine quand même d'être écouté. Pour les gens qui ne connaissent pas, je sais que vous allez taper Valère, vous allez reconnaître c'est qui. C'est juste que le nom, parfois, est un peu flou à l'oreille. Donc ça, c'est ce qui est pour le vieux clocher de Magog. Sinon, le cabaret des semaines, on a le 24 février. Un petit peu plus loin, mais je veux l'annoncer quand même d'avance. On a Marc Hervieux qui vient. Ben oui, il est bon. Très populaire, très J'ai bon. Passé une soirée avec en septembre pour les fêtes du 315 à Sorel. Il est fou break. Ah, il raconte plein d'histoires. Très sympa. Très sympathique. C'est chaleureux comme soirée aussi. Dans la salle du cabaret des semaines, je pense que ça va être très intéressant. Puis je voulais l'annoncer là parce que je sais que c'est des billets des fois qui partent vite. Donc le 24 février, mettez ça à votre agenda. Puis avec Lorraine, il se passe quoi? Avec Lorraine, à l'hôtel du Parc Offord, nous, en fait, je dis nous parce que je suis dans le spectacle. Tu prépares la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, on a un show le 7 février. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est des soirées dansantes toujours. Donc les plus grandes chansons d'amour.
Moi-même, je me garde, je me suis fait donner par Lorraine la chanson Les Parapluies de Cherbourg. Donc, très belle pièce. Il y a une belle chanson, ça. Il y a du Édith Piaf, il y a du Joe Dassin. On passe dans tous les styles, vraiment. Donc, soirée dansante, les gens peuvent danser avec nous par des blocs. Donc, oui, faites-en pas à sa prochaine chronique avant de faire un couplet. Bon, on continue. Oh, on verra. Donc, ça, c'est le 7 février à l'hôtel du Parc Offord. Sinon, moi, je voulais prendre un temps quand même. Je sais qu'on en a parlé beaucoup dans les médias, mais Pélo, as-tu écouté le Bye Bye? Non. Non? J'ai voulu l'écouter en rappel. Puis j'ai lu beaucoup de mes confrères qui ont mis des notes de 5 et de 6 sur 10. Ouais. Moi, je ne veux pas rentrer dedans parce que, premièrement, je ne suis pas quelqu'un de très difficile avec la critique dans la vie. Par contre, je veux quand même lever mon chapeau à ces artistes-là parce que même s'il y a pu avoir des fois des lacunes ou des questionnements là, auprès des téléspectateurs, des fois, les gens étaient comme « c'est-tu nécessaire, c'est-tu pas nécessaire? » Moi, je tiens à préciser en fait qu'ils ont fait un travail de costume et de maquillage impeccable. C'est pas facile à faire. Aussi. Et le jeu des acteurs est incroyable. J'ai vu cette semaine par la France l'extrait via Vogue, la revue, de Céline Dion par Marc Labrèche. Et c'est puissant. Ah, c'est ridicule. Mais moi, mes deux étoiles performance, Marc Labrèche, bien sûr, et Anne Dorval. Mais voilà. Comment ne pas les aimer? Puis ils sont métamorphosés. Des fois, c'est incroyable. Marc Labrèche qui nous fait Despacito, ça, c'était ridicule, avec du fond de teint beaucoup trop foncé. T'sais, il passait de ça à Trump. Fait que moi, je dis quand même chapeau, malgré les critiques qui ont été un petit peu difficiles, je veux dire chapeau quand même aux acteurs qui ont fait un travail impeccable. Et on termine en 10 secondes. Je terminerai en disant que mon autre coup de cœur qui a battu le bye-bye, à mon avis, c'est Infoman. Cette année, Infoman a volé la vedette littéralement au bye-bye. Donc, un énorme travail colossal de Jean-René Dufort, que je salue d'ailleurs. Et à la prochaine chronique, elle va nous dévoiler un secret. Maman Kérion, prépare-toi. C'est tout ce que je peux dire. Ben voyons. Donc. Merci, Priscilla. Merci. Au retour, ouf, ouf, avec Joannie Dion. Plus que l'émission avance, Priscilla vient de partir, plus que le plateau se vide de bons beignes aux patates. On vous invite à aller en chercher en fin de semaine. Café Noir, notre ami Daniel, la fabrique de bagels, c'est écœurant. Bonjour! Allô? Comment va-t-elle? Je vais bien. Elle en a mangé un, Joannie, je pense. Oui, c'est excellent. Vraiment c'est excellent, bon. Hein? Puis les bagels également, puis la petite trempette au saumon. Là. Mm-hmm. Vraiment bien. On reprend. Nos animaux, j'espère qu'ils n'ont pas été trop traumatisés pendant le temps des fêtes, par toute la visite dans les maisons. Mais là, je pense qu'il est important de parler d'un nouveau départ aussi chez vous, parce qu'il y a des changements avec 2018. Il y a des bonnes résolutions. Oui! 2018, c'est une année, en fait, où on a tout retravaillé les cours de groupe. Donc, oui, parce qu'en fait, c'est important de savoir que les chiots versus un chien adulte n'ont pas la même capacité d'apprentissage. Ben non. Évidemment, ils n'ont pas non plus la même rapidité d'apprentissage non plus, pardon. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé cette fois-ci deux cours complètement différents. Donc, on a des cours pour des chiots, donc l'Académie canine. Puis on a, à ce moment-là, le nouveau départ qui va être pour les chiens, en fait, qui ont besoin d'un nouveau départ dans leur vie, c'est-à-dire de reprendre les bonnes vieilles habitudes et de reprendre des bonnes résolutions. Puis la différence des rythmes d'apprentissage, c'est selon l'âge aussi. Effectivement, selon l'âge, selon la race, selon également si le chien était stimulé ou pas stimulé. La race aussi? Effectivement. Ah bon? Oui, il y a des races plus têtues qu'on dit, c'est pas tant têtues, mais des fois, ils vont avoir peut-être d'autres restrictions qu'il va falloir travailler avant de commencer à travailler de l'obéissance. Donc, c'est important d'aller travailler ça juste avant. C'est pas ça prendrait quelques joueurs du Canadien, tu sais, des fois? Ils sont têtus sur la glace, ils marquent pas trop de buts de ce temps-là. Oui, des fois, ça peut peut-être valoir de d'autres choses. Elle joue au hockey, deck, ça a l'air qu'elle a du Gordie Howe, tu sais, dans le nez. Effectivement. Quelle position? Avant. Oh! Évidemment. Puis ça va bien? Oui, ça va. Oui. On va peut-être l'engager à un moment donné pour le Canadien. Aucune chance. OK. Est-ce qu'un chien de 2 ans est un chien fini? Moi, je dirais que non. On l'entend souvent, ça. Est-ce qu'à 2 ans et demi, mon chien, il n'y a plus rien à faire? Est-ce qu'à 3 ans, il n'y a plus rien à faire? Ben non, effectivement. C'est pour ça qu'on a le cours Nouveau Départ. Donc, on repart à nouveau. On repart avec des nouvelles bases, avec des nouvelles méthodes de travail. On va aller balancer le chien le plus possible à ce qu'il devienne le meilleur chien possible. Puis, ils peuvent apprendre jusqu'à 10-15 ans? Effectivement. C'est sûr qu'il faut savoir une chose. Plus l'âge avance, plus c'est difficile d'apprendre. Donc, c'est automatiquement plus long. Donc, 2 ans et demi, 3 ans, c'est encore correct. Oui, certainement. Même 5 ans? Oui, certainement. Il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est sûr qu'il faut quand même
prendre la patience et se dire que ça va être un peu plus long. Ma saucisse qui va avoir 12 ans, au mois d'avril, c'est un peu plus dur, ça. Effectivement, tout dépendamment de ce que vous lui demandez, à un moment donné aussi, il faut y aller avec l'autre. C'est un tackle miniature de 8 livres. Là, effectivement, oui. Fait qu'il faut y aller en dosant, évidemment. Okay. C'est sûr qu'il y a des petites traces, tout dépendamment aussi de leur vie, leur vécu et tout ça, ce qu'ils ont fait. Mais écoute, l'apprentissage, ça va au fur et à mesure. Puis il y a une capacité d'apprentissage pour chacune, j'aime ça, des personnalités. Oui. Pas des races, pas des chiens, des personnalités. Non, nous, on a le chien, on a la race, on a la personnalité. Donc, on travaille toujours avec le chien unique. Ah oui. Le chien qu'on a en face, on va aller travailler les méthodes, façonner les méthodes pour pouvoir aller travailler ce chien-là. Et de cette façon-là, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler de la meilleure façon avec ce type de chien-là, la personne, mais aussi la personnalité du maître. Qui est de l'autre côté aussi de la laisse. Donc, pour s'assurer que tout le monde est confortable dans l'entraînement et que tout le monde avance. Avec la face qu'elle vient de faire, elle doit avoir un plaisir fou, pas avec le chien, avec le maître. Ah, moi, j'ai du plaisir fou, effectivement. Oh, ouais. Ouais, vraiment beaucoup. Parce que tu vas diagnostiquer ça tout de suite, là. Mais en fait, c'est qu'on va aller évaluer puis on va aller créer une certaine relation avec le maître pour arriver à faire un système de coaching. Donc, on n'est plus simplement l'enseignement. On va coacher, on va jaser avec eux autres. On garde un suivi régulier aussi avec nos clients, question de savoir qu'est-ce qui se passe à la maison puis s'ils ont besoin d'aide, qu'on est là maintenant aussi. Ah, c'est ça, là. Si vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En 2018, foncez. Appelez. Oui. Allez voir un cours. Allez voir comment ils font ça. Certainement. Vous inscrire dans un cours au niveau du nouveau départ, c'est offert à tout le monde. Donc, toutes les gens qui vont vouloir s'inscrire, il n'y a aucune problématique, à moins vraiment d'avoir un chien extrêmement agressif. Donc là, c'est sûr qu'on va travailler à domicile. Mais tous les chiens là, qui veulent commencer une nouvelle année avec une marche au pied ou peut-être un peu plus de contrôle en laisse pour pouvoir sortir à Magog, dans la ville de Magog, où est-ce qu'il y a des gens beaucoup touristiques, évidemment. Puis on a l'académie, donc ceux qui vont avoir des chiots. Mm-hmm. Ceux qui vont avoir des shows qui vont commencer peut-être soit maintenant, bien, il y a l'académie qui va être offerte pour tous les shows pour pouvoir évoluer puis devenir un bon citoyen canin. Donc, ça permet d'avoir vraiment une variété de gens là, qui puissent être puis bien si servi. Le maître est correct, vous lui offrez un bon café. Puis si le chien est correct, vous lui offrez la petite pinte de lait. Effectivement. Hey, merci. On peut te suivre sur Internet aussi? Oui, www.divisioncanine.com ou via Facebook. C'est vraiment la meilleure façon de le. Et n'oubliez pas, nouveau départ avec Joanie Dion. Oui. Bon match de hockey deck. Merci. Bonne chronique. On se revoit bientôt. Petite pause et au retour. On fait le tour de ce beau vivre à fond parce qu'on est en forme. Yves Le Bolloc est avec nous. Le retour sur le plateau à l'intérieur même de la boutique Vivre à fond. Yves Le Bolloc, merci de nous recevoir au deuxième chez toi dans ce très beau décor. Et ça a été très convivial. Les chroniqueurs ont adoré jusqu'ici. Ah, bien, ça me fait plaisir. Écoute, on essaie toujours de faire de quoi pour que l'expérience soit bonne, que ce soit pour les clients, que ce soit pour les chroniqueurs, puis que ce soit pour toi. Et alors, surtout, on voit qu'au deuxième, il y a du vélo en masse. Puis c'est le temps de venir emmagasiner pour le printemps, même s'il y a encore de la neige à l'extérieur. Et évidemment, on garde des vélos 12 mois par année. Alors, les gens, des fois, veulent pédaler à l'intérieur l'hiver. Les gens veulent... On dirait que le vélo, aujourd'hui, c'est vraiment 12 mois par année. C'est plus juste 4-5 mois dans l'été. Alors, on a des gens qui viennent puis qui veulent toucher. Alors, on garde du vélo 12 mois par année, que ce soit du fat bike, vélo de montagne, vélo de route. On a du choix pour tous. Puis, il y a beaucoup au premier plancher de ces vêtements. D'ailleurs, j'ai porté une belle veste d'un gars de chez nous, qui est un des distributeurs à travers le Canada, plutôt dans l'émission, parce que là, on a changé, mais on va vous dire pourquoi dans quelques instants, d'ailleurs. Parce que là, c'est la traversée hivernale. Ça a été annoncé pendant qu'on était absent, pendant le temps des fêtes. Grosse conférence de presse. C'est le 24 février. C'est le 24 février, deuxième édition. On attend au moins 150 cyclistes. L'an passé, on l'a fait. Ça a été un succès phénoménal. Les gens ont bien apprécié. Là, Dame Nature, cette année, touche du bois. Au niveau de la glace, on voit de la belle glace. Et puis, au niveau du parcours, on a prévu un parcours de 30 kilos, 32 kilos. Alors, belle expérience. Ça mérite vraiment d'être considéré par adeptes et moins adeptes parce que c'est pas vraiment une course. C'est plus vraiment une belle activité, un rassemblement de fat bike et vraiment pour que les gens puissent en même temps voir le beau paysage du lac Nefremagog. Puis si le cœur vous en dit de voir c'est quoi les vélos, il y en a plein ici chez Vivre à fond. Venez en fin de semaine, venez en semaine voir ça. Il y a les inscriptions, ça continue, ça va bien. On peut s'inscrire jusqu'à quand? On peut s'inscrire, je dirais, jusqu'à l'événement. Si on va sur le site Traverser Nefremagog, vous avez toute l'information. Les détails sont là, l'inscription, autant par équipe, autant individuelle. Tout est là, c'est simple, c'est très facile. Et puis, s'il y a des gens qui n'ont pas de fat bike, on en loue. Alors, j'attendrai pas trop longtemps parce que ça se loue très rapidement. On veut que tu
on veut faire vivre l'expérience aux gens qui n'en ont pas, justement. Absolument, absolument. Fait que j'ai beaucoup de gens qui nous contactent, veulent faire le trajet, n'ont pas de vélo, ils viennent, on leur loue le vélo. C'est une belle organisation, c'est la deuxième édition. C'est le samedi 24. On part d'où et on arrive où? On part de la Pointe Mary, okay. Tout près de la tour. Voilà. On embarque sur le lac tout près du Pilsen. Et puis à partir de là, on traverse, on va bifurquer vers le côté de chemin Georgeville. Et on va traverser, où est-ce que l'île, vers Bryant's Landing. Bryant's Landing, on revient vers Magog. Alors, on a un parcours de 32 kilos qui va être piqueté. Alors, c'est clair, c'est damé. C'est vraiment de quoi qu'on a beaucoup de travail à faire et on en met beaucoup d'énergie, mais on veut s'assurer que les gens ont une belle expérience. Puis ça va être très... Et bien entendu, ça peut pour un grand, là, un champion, il y en a, là, les plus vite, là, ça peut prendre combien de temps à faire le 32 km? Écoutez, 32 km pour certains, comme ceux qui sont rentrés en premier l'an passé, je te dirais à peu près 2 heures. Okay. 2 heures à 2 heures et demie. Les moins adeptes vont peut-être prendre 3 heures et demie, 4 heures. Mais on ne part pas avant que tout le monde débarque de la glace. On a des motoneiges qui encadrent, on a des cyclistes qui encadrent. Alors, on s'assure de la sécurité de tout le monde. Puis ceux qui veulent vivre l'expérience, vous prenez le temps, vous vous amusez, vous avez le décor, vous avez le vélo, vous vivez une belle expérience parce qu'il y en a, c'est peut-être la première fois. C'est souvent la première fois et ça ne sera certainement pas la dernière parce qu'on a déjà beaucoup de gens de l'an passé qui se sont préinscrits, sachant que l'événement allait avoir une deuxième édition. Alors, ça mérite d'être considéré. Et tout se fait, vous avez toutes les questions ici même à la boutique Vivre à fond, au Carrefour Santé Globale. Venez voir Yves, venez voir l'équipe Dynamique, vous aurez réponse à tout, justement. Ça va nous faire plaisir. Puis il y a ça aussi qui est très, très beau, parce que ça donne bien que c'est l'événement qui s'amène. Absolument, absolument. On a des beaux vêtements qui vont être aussi vendus sur le site. Alors, si les gens veulent des beaux souvenirs de l'événement, ça sera mis en vente aussi. Et important de mentionner l'heure de départ le samedi 24. Il faut le placer tout de suite dans l'agenda. Écoutez, le vendredi en soirée, la remise des dossards va se faire ici même, chez Vivre à fond. Et puis le samedi matin à 8h30, c'est le départ. Alors, on attend tout le monde à la Pointe Mary entre 7h et 8h. Et à partir de là, le coup de canon va être donné. Oui, puis ça va être fait dans l'avant-midi. Donc, on peut, après ça, s'amener au Carrefour Santé-Boréal, mais prendre un petit café, voir justement les vélos, venir voir l'équipe aussi. Oui, puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'on a un beau partenaire qui s'appelle la microbrasserie. Ben oui. Et puis, la remise des médailles va se faire là, à l'intérieur. Avec Todd Pouliot, vas-tu enfourcher le vélo? Je le verrai, moi, c'est une bécane dans le lac, là, à se geler les babines. Pas sûr, mais c'est sûr qu'il va nous nourrir après, puis il va nous réchauffer. Avec une bonne bouffe et une bonne bière. Oui, puis parlant de Todd Pouliot, il faut lui dire une chose, c'est le meilleur fish and chip en ville. Absolument. Et il a bonne bière aussi, bien entendu. C'est le fun d'avoir des partenaires qui aident. Absolument, je pense qu'à Magog, on a des très bons partenaires. On a les Enfants Terribles qui vont offrir aux proches des coureurs le temps d'aller déjeuner sur place pendant que les gens sont sur le lac. Alors, au lieu d'attendre sur le bord du lac... Ah oui, parce que justement, tu n'attends pas 2h, 2h30, là. Disons, on peut le faire, mais il y a d'autres choses à faire dans la vie. Alors, on est plus sur le vélo ou on est à l'intérieur au chaud en train de déjeuner, puis c'est les Enfants Terribles qui vont offrir un déjeuner pour ces gens-là. Donc, vous mettez à votre agenda le 24 février. En attendant, vous venez voir tout ce qu'on a ici pour, justement, ces vélos. Vous venez en réserver rapidement avant qu'il en manque, justement. Vous vous inscrivez et surtout, vous profitez de tout ce qu'on a aussi en magasin parce que le ski, lui, continue à plein, la raquette continue à plein, le ski de fond continue à plein. Puis là, vous pensez printemps, pensez vélo. Puis Marilyn l'a dit plus tôt sur le plateau, il y a des maudites belles espadrilles également de course. C'est vrai, ça? Absolument. Hey, merci de l'accueil aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci aussi à nos amis de la fabrique de bagels Café Noir à l'embouchure de la 115. Ça s'est vidé le plateau, puis ça se vide encore davantage. Donc, à toutes les semaines dans l'émission pour nos chroniqueurs, nos invités, avec Yves sur le plateau, ici à la boutique Vivre à fond. On a nos amis du bagel et du Café Noir qui nous aident à nous en mettre un petit peu plus les babines, comme on dit. On vous souhaite de passer un beau week-end. Venez faire un tour à la boutique Vive à fond. Venez voir les gros vélos. Vous allez voir, vous allez avoir du soin. Venez les essayer dans le stationnement s'il faut. Ça va vous donner la piqûre pour en faire. Puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Ici même, les mercredis, l'enregistrement, entre 13h30 et 16h à la boutique Vive à fond. D'ici là, bon week-end!
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.